Là, effectivement, il est bien défoncé là. Cette vidéo est très intéressante parce que bah, là, pour le coup, on voit des gens réagir très bien. Beau travail aux fées des Françaises. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Alors, ceci est une vidéo au format analyse de plongée. Ce format fonctionne un peu comme un rétex, le but étant de comprendre le problème pour pouvoir l'éviter à l'avenir. Surtout, si vous voyez des choses manquantes, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à partager votre avis, car le but est de devenir le meilleur plongeur possible, hein. Je vous rappelle cependant de rester toujours bienveillant en commentaire, c'est très important pour moi, la direction de la chaîne va dans ce sens et ça me plaît beaucoup, donc autant que ça continue. Avant de regarder la vidéo, on va juste faire une toute petite mise en contexte. Donc le titre c'est Signes cliniques de la narcose à l'azote en plongée sous-marine et ça me permet justement de parler de la narcose. On a vu beaucoup de différents types d'incidents en plongée, à savoir les essoufflements, la perte de binôme, le fait de descendre trop profond, la perte de la ceinture, mais la narcose pure comme problème, eh ben, il s'est jamais vraiment posé. La narcose, qu'est-ce que c'est pour les néophytes? Eh bien, c'est une sensation un peu d'euphorie et d'ivresse qui arrive lorsqu'on atteint une certaine profondeur. Cette profondeur peut varier en fonction des personnes et peut même varier en fonction de notre état de santé. Si on est très fatigué, on sera plus ou moins sensible à cet état. Sans rentrer trop dans le détail, la narcose est due à la pression partielle des gaz, notamment de notre cerveau, et ça pourrait se simplifier par le fait de dire que les gaz vont être plus denses au fond et on va en avoir plus dans nos tissus, et cela a un effet. C'est vraiment un gros raccourci. Alors, la narcose en soi n'est pas quelque chose de dangereux, c'est même quelque chose de très courant et recherché par certains plongeurs. C'est une petite ivresse. Le problème, c'est lorsque cette narcose n'est pas contrôlée et n'est pas souhaitée. Quels vont être les effets? On va être plus lent, on va réagir différemment, on va commencer à manquer d'attention, voire à rigoler, ou bien inversement, à avoir peur. Si un jour, au cours d'une plongée à plus de 20 mètres, vous voyez des attitudes étranges, eh bien, je vous invite à essayer de communiquer avec le plongeur peut-être en difficulté. Bref, regardons maintenant cette vidéo et ses signes cliniques de narcose. Alors, effectivement, je suspecte que ce soit le mec debout tout seul en slip, hein. C'est possible, quand tu commences à palmer comme ça, il y a baleine sous gravier. Donc très bonne remarque là, qui a été faite par la vidéo. Effectivement, le fait de tenir son embout, ça peut soit être un signe que le plongeur a peut-être un problème avec son détendeur et veut vérifier ou ressentir quelque chose, ou bien qu'il est peut-être un peu défoncé. De plus, on peut voir là qu'il y a quand même beaucoup de sédiments soulevés. Si c'est un niveau 3, c'est censé être quelqu'un avec un certain niveau, donc c'est pas bon signe. Alors, vous m'excuserez pour mes anglicismes. Apparemment, le serfil va prévenir le chef de palanquée. Je ne sais pas ce qu'est un serfil. Ceci étant, si vous voyez quelqu'un avec un comportement étrange, vous voulez aller prévenir la personne en charge ou la personne avec le plus d'expérience. Une petite discussion. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est qu'un serfil parce que je ne sais pas. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils se disent. Ok, il va intervenir. Alors, pour information, ils sont à 37 mètres. 37 mètres, ça commence à être vraiment profond, hein. C'est sérieux. Moi, le plongeur à 37 mètres, j'en fais pas tant que ça. C'est pas bien. Et là, on se rend compte effectivement que les mouvements sont un petit peu hasardeux. Que va-t-il se passer? Donc, on est à 37 mètres et on a un plongeur qui a lâché son embout de bouche. C'est effectivement le type de réaction que peut avoir quelqu'un en narcose ou bien en panne d'air. Il faut rapidement lui donner une source secondaire, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Donc là, il fait le signe à plusieurs reprises de la panne d'air et on voit l'encadrant juste ici, ben, qui lui donne directement sa secondaire. Elle est là, là, il va lui donner.
cette vidéo est très étrange. Donc là, on a un plongeur narcosé qui décide de rester au fond en utilisant la grosse purge, c'est celle qui sont au niveau des épaules, pour empêcher les autres plongeurs de leur monter. Là, effectivement, il est bien défoncé, là. Beaucoup d'enseignements dans cette vidéo. Comment ils vont s'en sortir? Donc là, on peut voir qu'ils lui ont passé une source secondaire parce qu'il a donné le signe de la panne d'air. Et ils essayent de le remonter. J'ai jamais été confronté à cette situation et surtout, le mec en l'occurrence a l'air très balèze. Donc c'est pas évident de faire normalement l'accroche main droite et on remonte ensemble. Là c'est compliqué. Ouais, ça devient le bazar. Donc l'encadrant ou la personne en charge s'est rendu compte que le plongeur continuait de dégonfler son gilet stabilisateur, allez savoir pourquoi, et il décide d'utiliser son gilet pour faire du levage. En théorie, on évite d'utiliser notre gilet avant pour faire du levage, mais là, en l'occurrence, ça se comprend. Comme Neil explique, un autre élément qui montre que notre plongeur est narcosé et n'est plus là, c'est qu'il n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer. Il est en train de respirer sur la secondaire d'un autre plongeur, et pourtant, il cherche son manneau, il cherche à comprendre ce qui se passe. Et on peut même le voir ici, il essaye encore de purger sa stab pour descendre, donc il n'a pas du tout conscience du problème. Et c'est en ça où la narcose, comme je l'ai dit, ça peut être une ivresse sans gravité, mais évidemment, quand ça prend cette tournure-là, il faut vraiment réagir très vite et remonter le plongeur. Généralement, les symptômes vont disparaître si on remonte de 5-10 mètres. Mais là, pour une grosse narcose comme ça, personnellement, je pense que je remonte tout le monde. Enfin, on va voir. Ah. En tout cas, très très bonne réaction. Cette vidéo est très intéressante parce que bah, là, pour le coup, on voit des gens réagir très bien. Hein, donc, beau travail aux fées des Françaises. Environ 10 mètres plus haut, le plongeur narcosé signale qu'il est bien et qu'il veut redescendre, mais le CP refuse et met fin à la plongée. Et il a bien raison. Donc, comme je vous le disais, ils ont remonté de quelques mètres, les effets ont disparu, mais c'est pas normal d'être autant défoncé à 35 mètres ou 37 mètres. Et effectivement, si ça vous arrive, vous, en tant qu'encadrant, je vous déconseille de le faire redescendre. Si ça se trouve, le mec, il est déshydraté, ou il est malade, ou son corps n'est pas en bon état, et c'est un coup à ce qu'il vous claque dans les doigts à cause, je sais pas moi, d'un arrêt cardiaque ou t'as un truc du genre. T'es pas censé faire une narcose aussi violente à 30 mètres. Et autre point, si vous, en tant que plongeur, vous vous sentez mal et vous remontez à 10 mètres, vous vous sentez mieux, mais vous voulez pas redescendre, vous avez le droit. Je ne le dirai jamais assez, en tant que plongeur, vous avez le droit d'annuler une plongée, de remonter, juste pour vous prévenir, ou de ne pas aller dans l'eau. N'hésitez jamais à faire ce signe, c'est fin. Et là, faut finir. Alors, va-t-on avoir le traditionnel déni? Bah non, il ne s'est rien passé. Je déteste ce mouvement de main. On va voir s'il le fait. Bon, tout le monde est remonté, tout le monde est en contrôle. On a un très bon travail de cet encadrant, on peut le noter. Bien joué. Un petit point que j'ai pas noté, mais qui peut être intéressant aussi, le froid peut augmenter la narcose. Et je sais pas si vous remarquez, tout le monde a des grosses combinaisons et lui, il est en shorty. Bon, il a l'air d'être quand même assez costaud et vigoureux, mais sachez que le fait d'être dans une eau froide, en plus de la fatigue ou d'autres facteurs comme ça, ça peut augmenter votre sensibilité à la narcose. Et ça a peut-être été son cas. Ah ouais, c'est un relou! Ça c'est une erreur, donc ce qu'ils expliquent c'est que le plongeur qui
bah, peut-être finalement est toujours narcosé, a décidé de larguer son parachute, c'est quelque chose qui ne se fait pas. On largue un seul parachute par palanquée. Larguer deux parachutes, c'est un signal d'alarme. Si les deux parachutes hop, se collent à la surface, ça veut dire envoyez-nous une bouteille vite. Donc, même à la surface et même malgré ces signes du tout va bien, il continue de faire des erreurs. Pour ma part, je pense pas que cette erreur est due à la narcose. Là, je me permets une interprétation. Je pense qu'il a fait une grosse bêtise. Il s'en rend compte, il culpabilise et il veut un peu montrer que tout va bien. Et à cause du stress et autres, ben, il décide de prendre peut-être des initiatives. Ça, c'est mon interprétation, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelque chose comme ça. Bref. Désolé pour le changement de décor, là je suis en train de finir le montage de la vidéo et je trouve qu'il manque quelques petits conseils pratiques, donc je préfère tourner cette séquence en plus afin de vous poster la vidéo demain plutôt que de vous donner une vidéo incomplète. Alors voilà 5 éléments à prendre en compte si vous êtes un plongeur récréatif et que vous voulez éviter le genre d'incident qu'on a vu dans la vidéo. Premièrement, soyez à l'écoute de votre corps afin d'identifier certains éléments indicateurs de la narcose, à savoir tout comportement anormal comme de l'anxiété, de l'euphorie ou même de la difficulté à la concentration. Deuxièmement, en cas de doute, rapprochez-vous de votre binôme et pensez à communiquer. Comment est-ce qu'on communique? Ça veut dire problème et ça, généralement, c'est le signe pour narcose. Troisièmement, n'hésitez pas à aller voir le chef de palanquée ou votre guide afin de lui expliquer le problème et donc de remonter ensuite de quelques mètres. Mais évitez de prendre des initiatives sans prévenir l'encadrement et sans prévenir votre binôme. Quatrièmement, c'est très important, considérez chaque plongée comme différente. Ça ne veut pas dire que lors de votre dernière plongée à 30 mètres, il n'y a pas eu de narcose, qu'il n'y en aura jamais. Et cinquièmement, identifier les éléments favorisants, à savoir la profondeur, la fatigue ou la température de l'eau, toutes les choses qui pourraient stresser votre corps et donc créer une narcose plus ou moins importante. Maintenant, si vous êtes encadrant, voilà quelques petits conseils. Soyez très attentif au comportement de vos plongeurs avant l'immersion. Techniquement, vous voulez guetter de la fatigue ou d'éventuelles gueules de bois. Hein. Et là, c'est mon expérience à Bali qui parle, ça arrive bien souvent dans les eaux chaudes. Prenez bien le temps de rappeler lors de vos briefings de plongée le risque de la narcose et comment réagir. Ensuite, sous l'eau, communiquez régulièrement avec vos plongeurs, notamment au niveau de la pression. Demandez-leur quelle est leur pression. Vous verrez, lorsqu'un plongeur va être narcosé, il peut avoir du mal ou prendre un certain temps avant de pouvoir lire son manomètre. Ensuite, en cas d'intervention, assurez-vous de bien garder toute votre palanquée regroupée. Ne commencez pas une intervention avec des plongeurs à droite à gauche qui n'ont pas eu l'information qu'il y avait potentiellement un problème. Et évidemment, si on remonte, on fait remonter tout le monde parce que vous ne voulez pas avoir des plongeurs en bas qui, eux, vont peut-être commencer une nouvelle narcose. Et pour finir, si vous vous retrouvez dans le genre de situation comme on vient de voir dans cette vidéo, eh bien, je vous invite à être très, très, très prudent et la bonne réaction se fera au cas par cas. Car dans cette vidéo, on est vraiment sur un plongeur qui est musculairement fort et lourd et pour vous, ça peut être vraiment dangereux. La pire chose qui puisse arriver, c'est que ce plongeur fort en panique commence à s'accrocher à vous et commence à vous arracher le détendeur, le masque. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ce genre de situation vous sont déjà arrivées ou si vous avez déjà vu ce genre d'intervention et comment est-ce que le guide ou le chef de palanquée a géré l'intervention. Moi, en cas de danger, je vais plutôt avoir tendance en dernier recours à faire une approche par l'arrière en me disant que au pire, je vais contrôler le détendeur de mon plongeur en panique, bloquer la bouteille avec mes jambes et le remonter, que ce soit avec ma stab ou la sienne, mais en l'empêchant de m'attraper, tout en ayant un contrôle en passant sous le bras, là il y a ma tête, là il y a le détendeur de l'autre, et là je contrôle son détendeur, donc je suis sûr qu'il peut respirer. Et puis je le remonte. Mais c'est une approche assez violente, hein, c'est brutal. À vous de me dire, vous, ce que vous auriez fait. Là, dans cette vidéo, le plongeur, l'encadrant, a très bien réagi, mais on peut le voir sur ces images, malgré la force physique de l'encadrant, il doit quand même lutter pour déplacer ce plongeur qui ne veut pas bouger. Donc, encore une fois, soyez prudent et ne vous mettez pas en danger. Donc juste un petit rappel, la narcose est quelque chose de normal. Vous n'avez pas à avoir honte d'avoir de la narcose. Par contre, il faut être capable d'identifier les symptômes et d'en tirer des conclusions. Si ça vous arrive, la solution est de remonter de quelques mètres jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Mais si les symptômes continuent ou si la narcose était trop violente, arrêter la plongée est la meilleure chose à faire et c'est ce qu'ils ont fait. Donc bon travail et merci à eux pour cet enseignement. Et comme je vous l'ai dit, n'ayez jamais honte de vouloir arrêter ou de ne pas plonger. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet de groupe. Ne vous laissez pas influencer. Si vous avez une narcose, si vous avez eu peur,
N'en montez pas comme une fusée, mais signalez-le et demandez à arrêter la plongée. Maintenant, si ce contenu vous a plu, je vous invite à me rejoindre sur Tipeee afin de soutenir mon travail et la chaîne en faisant un petit don. Ce don vous donnera accès à du contenu exclusif et surtout un canal Discord privé avec une chouette petite communauté. Sur ce canal Discord, on y parle de plongée, on a même un forum où on échange les bonnes adresses et aussi un live hebdomadaire pour parler encore plus en détail des vidéos abordées ou de divers sujets. Et vous pouvez même retrouver les replays des lives précédents dans le Discord. Du coup, je vous attends là-bas. Merci pour votre attention et comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao!